Jardin botanique de Kay, normalement, son institution scientifique qui a une portée touristique. Donc, son jardin normalement créé depuis 2003. Et nous avons une superficie de 6,8 de terre qui équivaut à 8 hectares de terre. Donc, nous travaillons dans la conservation et scientifique, éducation, recherche. Et nous avons une très grande vision en termes de la vie touristique. Donc, le jardin, j'aime bien la vie partie physiquement en 5 compartiments. Il y a un espace, et un arboretum. Il y a un jardin ethnobotanique qui travaille spécialement sur plantes et sur plantes médicinales. Ethnobotanique, c'est la relation d'habitude qui existe entre une plante avec le monde, qui est la relation qui gagne et qui a un porte-tout d'habitude. Et horticole, mais qui plus c'est culture maraîchère et médicinale. Donc là, nous avons l'espace en démarrer le jardin. C'est une partie dans le jardin qui est vraiment belle. Donc nous avons l'autre espace au bord qui est l'espace d'attraction. Et en plus, nous avons un conservatoire, jardin en plus, zone de reproduction jardin, c'est pépinière. Le jardin botanique de Kay, dans le parcours touristique, d'Asie dans le sud, il représente un gros morceau. Donc en souffrant de Akin jusqu'à Gote-Marie-Jeanne. Donc nous ne pas capable de venir au Kay pour ne pas passer dans le jardin botanique de Kay. Donc c'est plus touristique là, d'Asie qui fait depuis Akin, dans Mangouavio, qui est un site écologique pour qu'il soit capable de faire touristes écologiques. Pour descendre au Kay, on passe dans le jardin botanique de Kay, on va aller geler, on va aller pour Sali, on va aller dans 500 marches au Koto et puis on passe pour Tapima. Donc, le jardin botanique est au centre de tout le parcours touristique. Moi, c'est Natacha Beauséjour, moi, responsable du département de développement et marketing pour le jardin. Moi, là, pour être capable d'encourager les gens de venir visiter le jardin et puis de venir m'amener, parce que le jardin est ouvert, tout le monde veut faire partie de notre jardin, pour être capable de faire partie de notre jardin. Et puis, il y a une autre partie qui est partenariat. Nous sommes très ouverts pour nous faire partenariat avec l'autre institution qui voulait travailler ensemble avec nous. Et puis, nous avons pour planter autour, nous avons capable de choisir, de venir, de adopter une plante. Et puis, s'il voulait même, il est capable de planter, de adopter une plante. Et puis, il y a un espace où nous sommes capables de supporter un espace. Et j'ai bien ouvert à différentes types d'activités pour qu'on puisse rester en contact avec lui, pour qu'on puisse rester en contact avec lui. Nous avons un département d'éducation dans le jardin qui travaille spécialement sur l'éducation environnementale. L'éducation environnementale, ça veut dire c'est surtout avec Timounio pour nous faire comprendre qui est important, ça gagne les protéger l'environnement, pour ne pas faire n'importe quoi pour même gens de l'autre pays au fait. Donc, on ne doit pas jeter n'importe qui ça dans la ria. Bonne façon pour faire dans la ria, bonne façon pour comporter, bonne façon pour agir avec nos plantes. Donc, nous faisons éducation environnementale avec Timounio. Ça, c'est l'espace qui nous avons pour nous. Même des photos tout pour nous capables de mariage. Ah oui, donc il y a un jardin de voyer qui est devant. Et bon, on a choisi de marier dans notre espace. Il y a plus de mariage qui fait dans l'espace que dans notre espace qui est le jardin de voyer. Oui, mais l'espace là. Et puis nous, vers tout, pour toute l'école qui a voulu faire partenariat avec nous, surtout l'école agronomie, pour que nous soyons capables de faire un stage, capables de prendre une formation. C'est nous prêts pour nous recevoir et tout. Mais combien qui valait les plantes qui viennent dans le jardin ça? Nous avons environ 500 espèces. Nous avons un verre qui est endémique, et rare, et nous avons un tout qui et nous avons un plant ornemental, plant forestier, plant médicinal. Il y a différentes espèces. Il y a des plantes qui attirent les insectes. Il y a tout qui attire les oiseaux. Surtout les plantes qui attirent les oiseaux en pile. Et puis nous avons des plantes sérieuses surtout. C'est pour ce que nous avons des minas, des bols, des pinsoles. Ils attirent les papillons en pile. Vous voyez, côté rouillé, tout comme les papillons. Ok. Et qui va produire maintenant? Oui, c'est ça. Là.